Dans un échange avec les médias, le secrétaire général du PCT, le parti présidentiel, Pierre Moussin, a déclaré que leur candidat à la présidentielle de mars 2021 était Denis Sassou Nguesso. Il est le seul d'entre nous qui réunit tous les atouts pour être président de la République, a-t-il renchéri, parlant au nom des 17 partis qui composent la majorité au pouvoir. Pierre Moussin a indiqué qu'ils étaient en train de faire les pieds et des mains pour convaincre le chef de l'État à se déclarer candidat. Désigné en fin 2019 par ses partisans du PCT, Sassou Nguesso, 77 ans, n'a toujours pas répondu à cet appel, encore moins à celui des partis et associations de la majorité qui redoublent d'ardeur chaque jour. Mais selon les analystes, le chef de l'État devrait accepter sans trop forcer pour un deuxième mandat de 5 ans. Entre 2002 et 2016, il a effectué 2 mandats de 7 ans. Alors que l'opposition continue de contester les conclusions de la concertation politique sur cette élection, le gouvernement a déjà commencé les préparatifs du scrutin. Interpellé par les opposants à se prononcer sur cette impasse politique, Denis Sassou Nguesso pourrait en dire un mot le 19 décembre prochain lors de son adresse à la nation. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.